C'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, tout tourne autour de la nature. On ne peut pas ignorer ce qui se passe sur Terre. Les effets climatiques, on les ressent très bien. En Nouvelle-Calédonie, c'est vrai qu'on a la période de sécheresse, on a un hiver chaud, on a la période des feux, on a l'érosion sur les îlots. Et en gros, c'est aussi bien dans notre vie de tous les jours que sur les chantiers. Ben, action, bougeons-nous et faisons avancer les choses pour nos nouvelles générations et générations futures, quoi. Chacun d'aller jusqu'au bout de cette démarche. Et aussi bien on a su le faire sur la sécurité que je pense qu'il faut le faire sur l'environnement à ce jour. Donc voilà, là nous sommes sur le chantier de la station d'épuration de Yaoué. Sur cette période de saison fraîche cette année, nous avons des pics de chaleur avec des records, avec des journées à 5-6 degrés de plus que les températures ambiantes habituelles. Nos bases vies sont exposées au soleil toute la journée. Donc le but du jeu de nos travaux était de gagner en fraîcheur dans les bureaux, d'utiliser au minimum la climatisation, d'avoir une ventilation un petit peu naturelle également. Une fois posés nos rails et nos montants, nous venons poser notre graine de roche, qui nous fera gagner en acoustique, en chaleur, qui a un côté coupe-feu également, qui n'est pas négligeable. Et avant ça, nous avons mis une peinture anti-chaleur à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur afin de gagner encore quelques degrés. Donc voilà un produit fini. Donc on sent une certaine fraîcheur à l'intérieur, éclairage à LED pour ne pas amener d'autres sources de chaleur. Et la climatisation en 2 mois n'a toujours pas été allumée. La transition écologique, c'est aussi du confort pour nos collaborateurs. Donc voilà, c'est vrai que le but plus tard, ça sera que toutes nos bases vie ou nos containers vestiaires, aussi bien containers matériels que containers bureaux, soient aménagés de cette façon. Et là, on travaille actuellement sur l'alimentation, justement, profiter de cet ensoleillement annuel qu'on a ici pour poser des panneaux solaires sur les bases vie afin d'être autonome. Et l'étape suivante, ce sera, et on est déjà en train d'y travailler dessus, d'installer des bacs de récupération d'eau sur les toilettes et les douches des chantiers afin d'être autonome sur cette partie-là aussi. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler environnement, il y a des solutions qui existent. Donc je pense qu'on a tout un travail à faire, aussi bien en Europe qu'ici en Nouvelle-Calédonie. Et il faut arrêter d'être spectateur, je pense qu'il faut à ce jour être acteur chacun de son côté.